Bonjour, je suis Sunny, love coach, ancien timide, désormais expert en séduction. Mes conseils pour choper des coups sûrs, à coup sûr, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti, on y va. En ce moment, les gens trouvent que c'est une période compliquée pour faire des rencontres quand on est célibataire. Eh bien, à tout cela, je dis non, je dis stop. Quand on veut, on veut. Ma méthode infaillible pour briser la glace, même en période de confinement, eh bien c'est la technique du eye contact, ok? Contact des yeux en anglais. Alors ça ne veut pas dire qu'on se met le doigt dans l'œil. C'est une blague. Référence à ma vidéo 127 sur la séduction comique. Il est 20h, vous ouvrez votre fenêtre pour applaudir le personnel soignant, et là vous allez repérer dans votre voisinage ce que nous allons appeler ensemble, eh bien une target, ok? Une personne qui vous plaît, que vous avez envie de séduire pour qu'il sait vivre une aventure, une belle histoire, un mariage à Dubaï. Et là, vous allez établir le eye contact, ok? En regardant votre target de manière sensuelle et séductive, un petit peu comme ceci. Voilà. Alors, vous offrez votre désir, sans trop cligner des yeux pour ne pas interrompre le lien qui est en train de se créer. Et là, normalement, vous devriez sentir votre target qui commence à être un petit peu perturbé par le pouvoir de cette communication non-verbale. Vous pouvez également attirer son attention avec un « bravo !» ou « vive les éboueurs !» qui peut faire son petit effet, croyez-moi. Alors, je sais très bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire « Sunny, je n'ai pas tes yeux, je n'ai pas ta belle gueule, avec moi ça ne marche pas. » Alors déjà, merci, mais je pense que c'est parce que vous êtes encore trop timide, ok? Il faut pas hésiter à offrir son regard pendant environ 45 minutes, une heure. Là, je suis persuadé que la formation passera. Si au bout d'une heure, vous avez l'impression que votre target n'est pas réceptive, qu'elle a fermé sa fenêtre, qu'elle a appelé la police, et bien dans ce cas-là, n'insistez surtout pas. Non, ce serait perçu comme de la lourdeur et ce n'est pas l'objectif que nous voulons aujourd'hui dans cette vidéo. Jouez plutôt le jeu du chat et de la fourmi, fuis-moi, je m'essuie. Si vous n'avez pas de fenêtre, vous pouvez tout à fait vous inscrire sur un chat vidéo. Mais dans ce cas-là, je vais vous demander, s'il vous plaît, de garder cette notion de regard. Ok, on ne commence pas à écrire « Salut, comment ça va ?» Non, on joue avec les attentes, on joue avec les silences. Et surtout, on joue avec ses yeux. Mon petit conseil bonus, même si vous êtes par chat vidéo, n'hésitez pas à recréer les conditions d'une boîte de nuit. C'est notre lieu de chasse à nous les hommes, ok? Lumière basse, musique forte, on nous voit peu, on nous entend peu, c'est ça qu'on veut. Non, je disais, ce bar, c'est un peu comme une oasis, avec toutes les petites gazelles qui viennent autour pour s'abreuver. Moi qui suis un prédateur, j'ai plus qu'à me servir maintenant. C'est de l'humour. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et n'oubliez pas, l'amour, c'est comme du bricolage. Quand on en pince pour quelqu'un, ça peut nous rendre complètement marteau. C'était Sunny, je vous embrasse très fort.